Bonjour, je m'appelle Benjamin, je m'occupe des grandes cultures et je suis partenaire producteur de la ferme de Froidefontaine. Ce que je produis ici à Froidefontaine, c'est majoritairement des mélanges fourragers cette année-ci, donc pour faire en sorte de nettoyer les terres, et des légumes aussi sur une petite surface en guise de test pour commencer. Les autres années seront destinées plutôt à alimenter les autres partenaires de la ferme en matières premières, donc par exemple des céréales pour les éleveurs de poulets. C'est le fait que les clients finaux sont une partie des partenaires ici de la ferme et donc on peut plus facilement discuter de la qualité de ce qu'on produit, de leurs attentes par rapport à la production. Et la deuxième chose, c'est que comme on est sur une plus petite surface, on a beaucoup plus de temps aussi pour surveiller les cultures. On parle d'agriculture biologique, on parle d'agriculture de conservation. On essaie d'un peu de mettre en place tout ce type d'approche-là ici à la ferme pour justement trouver le meilleur moyen de produire de manière qualitative mais aussi quantitative. J'ai choisi la ferme de Froidefontaine parce qu'elle apportait une vision assez alternative de l'agriculture. Il y a de gros problèmes actuellement pour accéder à la terre, pour accéder aux bâtiments, et Froidefontaine arrivait déjà avec cette offre-là à la base. Il y a très souvent beaucoup d'intermédiaires qui ont tendance à prendre une marge parfois excessive. La ferme de Froidefontaine offrait justement ici une relation directe avec le client final. Le message que j'ai envie d'envoyer à toutes les personnes et candidats intéressés par rejoindre la ferme de Froidefontaine serait de tenter l'aventure, de venir voir ce qui se passe ici et d'être rassuré sur le fait qu'une équipe assez dynamique, jeune, enthousiaste et surtout professionnelle nous encadre pour mener le projet du début à la fin et aborder un peu toutes les thématiques, qu'elles soient techniques, financières, même parfois aussi relationnelles. Et donc c'est une équipe assez riche pour développer un projet, j'allais dire.